Aujourd'hui, on va se faire une entrecôte frite avec du bœuf sashi, c'est vraiment une tuerie. Ce matin, j'ai reçu une petite sélection de viande que j'ai fait chez Maison Lacour et j'ai pas pu m'empêcher de cuisiner ma pièce maîtresse. Une entrecôte de bœuf sashi élevée en Finlande ou au Danemark dans les mêmes conditions qu'un bœuf wagyu du Japon. J'ai reçu plein d'autres morceaux de viande, mais ça, on en parlera plus tard. En attendant, cette pièce, on va l'accompagner avec des super frites maison. J'ai pas envie de dénaturer la viande, elle est juste trop belle. Du coup, on va se faire une petite sauce à l'estragon et à la clémentine. Petite sauce émulsionnée, c'est pas une béarnaise, je te le dis tout de suite. Parce que dedans, pour rajouter un kick, on va mettre des petites clémentines et en plus, y a pas de ni d'alcool. Pour ceux qui veulent une bonne sauce sans alcool, faites-vous plaisir. Ensuite, on va réaliser un sabayon en clarifiant 4 œufs. On va mettre un petit peu d'eau pour aider à émulsionner. On cuit l'œuf en le battant bien fort et on vient le monter au beurre. On ajoute sel, poivre, estragon et suprême de clémentine. Et là, vous avez une sauce super onctueuse. Vous la débarrassez et après, on va attaquer les frites. Blanchies à 140, on enchaîne sur une cuisson à 180. On débarrasse. On passe à mon moment préféré de la recette. La cuisson de la viande, beurre, huile. On snack bien fort d'un côté et de l'autre pendant à peu près